méditation. Oui. Attends, on attend pour prendre le pain au chocolat. D'accord? Non, je ne vais pas prendre le pain au chocolat. Tu veux pas prendre le pain au chocolat? Je ne vais pas prendre le pain au chocolat. Mais on va aller à la plage après. Hein? On prend le pain au chocolat. Mmh. On va chercher le papa de Laura. On va chercher le papa de Laura. Mmh. Et après, on ira à la plage. Oui, et on va chercher le bébé de Tati Laura, mon frère. Pas le bébé, le papa. Mmh. Le papa. Le papa. Bon. C'est ouvert ou quoi? Non, dépêche-toi. Bonjour. Vas-y, Dodo. Avance. Ça va, Dodo? Bonjour, je vais vous prendre un allongé avec un pain au chocolat. Ce sera sur place? Oui. Attends, je vais prendre la monnaie. Ouais, mais je veux pas de sucre, maman. Non, pas de sucre. C'est un goût de ton pain au chocolat. Mais... C'est pas quoi, ça? Hein? C'est pas quoi, ça? Hein? Ça, c'est pas quoi, hein? Mais je veux pas de sucre. Oui. Pas pour les bébés. Je veux pas, Dodo. Tu veux pas? Non. Oui, c'est du sucre. Mange le pain au chocolat, s'il te plaît. Ah oui, j'ai mon dick de maman. Tu veux pas de sucre? Non, je veux pas de sucre. Je sais. Toi, goûte.
Non, je ne veux pas de sucre. Maman, il faut boire le café. Mais je bois le café. Moi, je mange du sucre. Mais tu n'es pas le sucre. Oui, tu m'as dit que tu je veux pas, moi. Non. Comment tu es un peu merci. D'un coup, que tu as fait tout de ta maman qui a tout de ta. Maman, tu peux pas te. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ma. Arrête, ma. Mais oui, mange ton pain au chocolat, s'il te plaît. Oh. Je laisse c'est pour toi, mange. Non, je veux pas. Goûte. Goûte un tout petit bout. Oui. Ma, tu as mis du sucre dans mon café. Non. Ma, regarde-moi. Regarde-moi. Tu as mis du sucre dans mon café. Tu as mis du sucre pendant que je regardais pas. Tu te fous de ma gueule. Regardez, elle a jeté mon café par terre. Voilà, ça c'est mon café. La moitié. Et pendant que je regardais pas, que je filmais, cette petite fille a mis du sucre dans mon café. Mmh. Oui, tu as mis du sucre dans mon café. Mmh. Hey. Franchement, hein. Tu vas le boire maintenant. Vas-y, bois-le. C'est bon?
qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner un petit peu, voir qu'est-ce qu'il y a. C'est bon. Descends maintenant. Ça y est, tu peux remonter. Non. Non. Par là. Stop. Pas par là, là. Non. Il y a des portes, tu dois pas ouvrir parce que c'est pas ni ton entreprise ni ta maison, d'accord? Tu peux pas rentrer n'importe où comme ça, ok? Bébé, arrête de bouder. Arrête de bouder. Regarde mes voitures, chérie. Mais tu vois pas les voitures, regarde là. C'est joli. C'est joli. Oui. T'as vu toutes les voitures qui arrivent? Oui. Comment on dit voiture en anglais? Oui, des voitures. Hein?
d'accord. What are you doing? Quelle maison? Alors on ne sait pas quels sont les mots. Tiens. It's not mine. I don't want it. Tiens. Thank you, baby. What are you doing? Huh? What are you doing? 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 Yes. This is not yours. It's your grandfather. Oui. Don't do that, Ma. Don't do that, Mama. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se garer plus loin. Tu conduis avec la tête dehors? Oui. Même entièrement. On va prendre l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur. Mmh. Appuie sur le bouton. Oui. Où est les toilettes? Maman, où est les toilettes? On monte. Accroche-toi. T'as vu, on monte. Oui. Étage 2. Et après, il faut l'ouvrir. Non, ça va pas là. Putain. Ah, si, c'est bon. C'est là. Ouais. C'est des toilettes. Des toilettes? Mmh. T'es attaché là? Maman, je ne vais pas l'attacher. Mais pourquoi tu veux t'attacher en papa maintenant, bébé? En papa? Non. Maman, tu as la pièce? Enlève. Maman. Ah, tu es attaché. Tu es contente? Oui. Bon, le papa de Laura nous a appelé. Oui. On va le chercher. Oui.
ton appel? Oui, c'est avec madame que je suis. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour, jeune fille. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? On fait aller. C'est la même que la mienne? Oui. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai passé mon permis à l'âge de 18 ans. D'accord. J'avais. C'était dans les années 68. Okay. Il y avait très peu de voitures en Guadeloupe. Mm-hmm. Et il n'y avait pas de limitation. Tout le monde roulait comme il voulait, sans aucun problème. Dans les années 68, il n'y avait pas de limitation? Non, il n'y avait pas de limitation de vitesse en Guadeloupe, ni en métropole d'ailleurs. Mais il y avait quand même les panneaux du code de la route? Oui, les panneaux du code de la route existaient. Ok. Existaient. Les panneaux existaient. Il a toujours existé. C'est pour ça qu'il y a le code de la route. Ok. Mais voilà. Mais seulement... pas de limitation de vitesse, je sortais de Saint-François, j'arrivais à Pointe-à-Pitre, ouais. En moins d'une demi-heure, 20 minutes, j'étais à Pointe-à-Pitre, parce qu'il n'y a rien devant moi. Non, c'est pas ça, Pointe-à-Pitre, à et je peux te jurer que ça y allait. Hein. Voilà. Il n'y avait pas d'accident. Non. Il y en avait quand même. Il y en avait, mais les accidents qu'il y avait, c'était plus les voitures qui, les voitures soient mal entretenues. Ah. Ou parce que les techniques des voitures actuelles sont quand même modernes. Oui. Et avant, bon, il fallait faire attention. C'était quoi comme voiture que tu avais? Là, c'était pas ma voiture, c'était la voiture de mon frère. Ouais. À l'époque, c'était une Simca 1500 spéciale, 1501 spéciale. Simca, c'est quelle marque? Oui, c'est Simca, c'est devenu Peugeot après. Ah, ok. Voilà. Et c'était toujours français? Ah oui, 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 c'était français. Okay. Ça a été acheté par Peugeot à une époque. Et puis après, ils ont tué le nom. Bon, ça, c'est une longue histoire. Okay. Mais sinon, il n'y avait aucune limitation. On voulait, quand je prenais l'allée pour rentrer à Saint-François, mm-hmm. Ben, des fois, j'étais à 160 au compteur, 170. Déjà, wow. Déjà, on avait toute la visibilité. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de route qui rentrait et que tu ne voyais pas. Ouais. Quand tu passais, tu découvrais. Ouais, c'est comme si c'était une autoroute. Voilà. Quand tu allais à Moules, par exemple, mm-hmm. tu arrivais, tu sortais de Saint-François, tu avais une grande découverte, tu n'avais pas de surprise. Au niveau de véhicules qui peuvent rentrer ou sortir. Ouais. Donc, tu as fait tout le loisir de rouler vite. Ouais. En fait, c'est ça. C'est... Voilà. Si tu as la visibilité. Voilà. Et surtout, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules, mm-hmm. donc ouais. Ça posait aucun problème. D'accord. Ouais. Ouais. Par contre, en métropole, là, pendant toutes mes années, j'ai fait pratiquement 29 ans en métropole. Ouais. Avec les voitures, jusque vers les années 78 ou 80, ils ont commencé à mettre des limitations de vitesse à 140 sur route ou autoroute, je ne me souviens plus. Sinon, moi, je roulais. Okay. J'avais des voitures qui allaient, des fois, je dépassais les 200 au compteur. Ça y allait. Et oui. J'avoue. Là, on ne peut pas faire ça. Non, on peut plus faire ça maintenant. Parce que maximum, c'est quoi? 110 ici, non? Mm-hmm. Enfin, autorisé. Oui, mais autorisé. 110. Donc, c'était la belle époque mm-hmm. où on roulait. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Ah, mais Laura m'a donné quelque chose pour voir le frigidaire. Ah, mais attends, je t'ai dit, on essaie de voir pour la cave à vin. Si tu veux. Allez, on va regarder. Faudra faire descendre la petite. Ouais.